لنا في القبر أسكناه. آه على عمر الفتى وشبابه وصباه، يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه. آه على عمر الفتى وشبابه وصباه، يا صاحبي كيف الردى والقبر كيف تراه. قد حال أنسك وحشة والقبر أغلق فاه، اليوم وراك الثرى رحمك يا رباه، رحمك يا رباه. L'exemple de relation de l'un d'entre vous entre son argent, sa famille et son action est semblable à un homme mourant ayant trois frères. Il appelle son frère qui représente sa richesse. Il lui dit: toi que j'ai toujours favorisé, que peux-tu faire pour moi maintenant? Son frère lui répondit: je ne peux rien faire, car je ne peux être à ton service que si tu es vivant. Et quand tu mourras, tu prendras une direction et moi une autre. Et ce sont d'autres qui en profiteront. Celui-là est son frère qui représente sa richesse. Alors qu'en pensez-vous? Puis il dit à son frère qui représente sa famille: et toi, je t'ai toujours bien traité, alors peux-tu m'être utile maintenant? Il répondit: mon ultime aide, te soigner, t'entretenir, être à ton service, et une fois mort, je vais te laver, te parfumer, te mettre en linceul, te transporter avec ceux qui vont te transporter et te poser durant le cortège mortuaire, puis je t'abandonnerai pour retourner chez moi. Et si l'on me questionne sur ta vie, j'en ferai des éloges. Celui-là est son frère qui représente sa famille. Qu'en pensez-vous? Puis il dit à son frère qui est son action: toi que j'ai toujours négligé, alors quoi de bon pour moi dans l'état où je suis? Il lui dit: moi, je serai ton compagnon durant le cortège mortuaire, ton compagnon dans ta tombe afin que tu ne t'ennuies point. Je serai ta défense dans ton linceul et ta force pour repousser tes péchés. Celui-là est son frère qui représente son action. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, que chacun de vous sache quel frère choisir. كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي.